If you had the power to change a life for the better, would you do it? If you had the opportunity to bring hope to a nation, would you take it? Why wait for divine intervention to heal the world when we are the hands of God and can be the change we want to see? As the Hands of God Foundation, or HUG, we celebrate diversity and education in underserved regions. We were founded on the principles of hope, respect, integrity, empathy, and professionalism. We believe that education is not just a gift, but a human right, and that every child deserves access to a quality education. Nous croyons en diversité et éducation non communauté marginalisée. Nous te fondé sous principe espoir, respect, intégrité, sympathique et professionnalisme. Éducation, ce n'est pas seulement un cadeau, mais c'est un droit humain et chaque monde mérite accès à une bonne éducation. Poverty remains one of the biggest factors that hinders access to quality education. Yet, the opposite is also true. The less educated people are, the poorer they will remain. Evidence suggests there exists a staggering relationship between low-income countries and primary level of out-of-school rate. The scary, yet pressing truth is the consequences of poor education is far more complex. There is a deep web of intricate adverse factors tied to a lack of education. As a lack of education is tied to poverty, which is tied to violence, which is then tied to poor health outcomes, and the cycle continues. Thus, the impact is too painful, too costly, too damaging to overlook. It's an economic concern, a health concern, a safety concern, and the cycle, while absolute, is 100% preventable. It's also a concern of compassion, a concern of empathy, and hope. Pauvreté était un des plus gros facteurs qui empêchait accès à une bonne qualité d'éducation. Pourtant, population qui gagne moins d'éducation, c'est plus pauvre y a prêté. Un manque d'éducation connecté à pauvreté, pauvreté connectée à violence et maladie. Conséquence, la toi dure, les toi raide. L'écouter trop cher pour nous rester comme ça sans faire rien. After just 1 year of operation, HUG has been able to successfully rebuild an entire school destroyed from the 2021 Haiti earthquake and sponsor the education of over 85 children. With the help of our sponsors, we were able to cover the tuition of these children while ensuring mentorship support and access to necessary school resources like books. With your continuous support, we have the capacity and determination to do much more. Pendant la première année opérationnelle, HUG t'a aidé à reconstruire une école complètement qui t'a détruite dans le tremblement de terre qui dépassait l'année 2021 en Haïti. Aussi, nous voyons plus que 85 timoun l'école. Avec aide sponsor nous voyons écolage pour timoun ça et acheter livres yo besoin pour yo apprendre. Avec support continuel ou nous avons capacité et détermination pour nous faire plus toujours. For those of you who've made the choice to sponsor a child, the children thank you for believing in their right to a quality education. HUG thanks all of you for believing in this cause and this very important mission.
We appreciate your continuous support. Together, we can be the difference. For the answer to a better world lies in the power of hands. May God our Father continue to bless and protect you. Choisi aider Timoun à l'école. Mouvement ça a permis à pile Timoun avancer dans la société. Où y'a gagné une vie meilleure. Nous-mêmes qui parlons ici, bon Dieu mette sous cœur, lui fait songer nous. N'a pas dit en pile merci. Nous-mêmes nous ne pouvons pas récompenser, mais nous connaissons ce bon Dieu qui est au ciel là, qui a récompensé pour nous. N'a pas demandé Seigneur pour nous protéger. Quel que soit le côté que vous passez, dans le travail, dans la famille, pour bon Dieu protéger vous. Aider les petits gens, c'est un travail qui est vraiment dit, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de moyens assez pour nous faire petit petits gens. Nous remercions, nous demandons bon Dieu de prier pour nous, pour bon Dieu dans grand amour, dans miséricorde, pour toujours protéger nous, pour lui faire initiative, ça paraît pour année seulement, pour tout reste. Jour qu'à venir, on a prié bon Dieu pour ça. Merci, grand merci, mille et mille merci.